Good morning, allez Yiden. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Yosef Rem Ben Masimcha, Peggy Bat Esther, Zara Bat Mazal Tov, Shishporti, Shmoshe Ben Sultana, Moshe Michel Ben Marlou, Zora Rosette Bat Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin Perik Bet Mishnah Gimel. Met lo met, eno yotse mi petach palterin shelo. Rabbi Yehuda Omer, im rotse latzet achar amita. יוצא שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר שנאמר והמלך דוד הולך אחרי המיטה אמרו לו לא היה הדבר אלא לפייס את העם וכשמעברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מסב על הדרגש On continue avec les halakhot spécifiques au roi comment le distinguer et comment lui-même doit se distinguer avec une nouvelle halakha met lo met Si il a eu un proche qui est décédé, la Mishnah nous enseigne Eno yotze mi petach palterin shelo. Il n'aura pas le droit de sortir de son palais. Il doit rester chez lui, enfermé, et ne pas partir à l'oraison funèbre de son proche. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda pense Im rotze latzet achar amita yotze. Si il veut, il a le droit de partir. Pourquoi? Sheken Masino Medavid Sheyatzachar Mitato Shalavner, car aussi bien que l'on a vu que David Ameler s'est joint à l'oraison funèbre de Avner, Avner Ben Ner, on va expliquer tout à l'oral dans pas longtemps. Sheneemar, comme le Pasuk nous dit, Vamener David Holech Achare Amita, comme le Pasuk nous dit, que le roi David marchait derrière le lit dans lequel, le brancard dans lequel était, se trouvait Avner. Amroulo, loaya adavar, el alefayes et aam. Il n'agit ainsi uniquement que pour amadouer le peuple. De quoi on parle? Tout d'abord, on refait un petit peu d'ordre. Le roi, la Mishnah enseigne que Chachamim enseigne, interdisent au roi de partir à l'oraison funèbre de son proche. Pour quelle raison? Ce n'est pas digne que l'on voit le roi en train d'avoir de la peine, de se mettre à pleurer. Ça rabaisse quelque part, au lieu de le voir comme quelqu'un de fort, de rigoureux, de dur, de très réfléchi, on réalise qu'il a un cœur. Vous allez me dire, c'est bien en soi-même, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Le roi, on doit le craindre et on doit le vénérer, et de ce fait, on ne peut pas le voir en train de pleurer, de se lamenter, d'avoir de la peine. C'est pas digne. Telle est la vie de Chachamim. Rabbi Yehuda nous dit, non, on peut, malgré tout, s'il veut, il a le droit de partir. Pour quelle raison ? Il rapporte une histoire avec David. Alors c'est une longue histoire. David Ameler, il a succédé à Shaoul. Ça a été toute une longue histoire dans Shmuel. Comment s'est passée la succession? Il y a eu des putschs qui ont été tentés de restituer la malchoute de Shaoul avec Mephibosheth, je ne sais plus exactement, les descendants de Shaoul. Et là-bas, il y a toute une histoire avec le Sar Tzava de Shaoul, initialement, qui était Avner. Le général de guerre de Shaoul, c'était Avner Ben Ner. Et le bras droit général de David Ameler, c'était ses neveux, les enfants de Tseruya, avec Yoav Ben Tseruya. Et il y a eu une histoire un petit peu complexe. Il y a eu de la rivalité entre les deux, entre Yoav et Avner. Et Yoav en a profité pour venger Avner sur le fait qu'il avait tenté de faire un putsch contre David, alors que David lui avait pardonné. Et du coup, il lui a fait un coup de... un peu de traître, je ne sais pas si on a le droit de parler de grands hommes de cette manière, en tout cas, il a fait un coup qui l'a tué. Il l'a assassiné. Et alors là, David Ameler s'est joint à la Levaya. Il a prononcé là-bas un grand espède sur Avner. Et ensuite, il s'est joint à la Levaya, il a pleuré devant tout le monde. Donc Rabbi Yehuda nous dit, regarde, David Ameler, le premier des rois de la dynastie de David, puisque c'est lui-même qui l'a initié. D'accord? Le grand roi David lui-même s'est joint à la Levaya, il s'est mis à pleurer devant tout le monde, et tout le monde a vu combien il savait pleurer. Donc le roi a le droit de se joindre à une Levaya, à une oraison funèbre. Chachamim, eux, discutent. Et pense que non, t'as rien compris. C'était de la politique. Il n'avait pas... C'est-à-dire, non, bien évidemment. Il est parti là-bas, il a réellement pleuré avec des pleurs sincères. C'était pas, ça, c'était pas de la politique. Mais là, il a vu la nécessité. Pour pouvoir
maintenir sa royauté qui est en train de s'installer, qu'il n'y ait personne qui va commencer à vouloir le nier et se retourner contre lui, d'accord, se révolter contre David Améler. Alors il y avait là-bas spécifiquement une nécessité de partir, à ce que tout le monde voie que Yoav, qui a tué Avner, l'a fait à titre personnel uniquement, qu'il n'était pas du tout sommé par David Améler, que bien au contraire David Améler n'a fait que de pleurer contre Avner. Et dans une situation pareille, Bevadai, c'est sûr qu'il vaut mieux partir et pleurer et perdre un petit peu de son kavod, mais ne pas perdre toute la malchoute. Mais en temps normal, un roi n'a pas le droit de pleurer devant tout le monde. Fin de la Mishnah nous enseigne. Urshem Avrinoto. On avait évoqué hier la Seudat Avraha, au retour du cimetière, lorsque les endeuillés commencent à prendre leur deuil. La première Seuda, elle doit être apportée par des gens de l'extérieur qui vont l'amener. On a fait l'usage d'apporter des œufs, du pain. Et alors, la Seuda, c'est ce qu'on appelle la Seudat Avraha. Je ne sais pas ce qu'est l'origine du mot. En tout cas, ça s'appelle Seudat Avraha. Donc la Mishnah maintenant nous enseigne. On rappelle d'abord l'histoire avec le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on lui présentait les condoléances en lui disant que nous, on est à Kapara. Ça, c'est plus précisé ici, mais je pense que ça doit être la même chose, j'imagine. En tout cas, le Kohen Gadol, on avait vu que tout le monde vient et tout le monde s'assoit par terre à la place de l'endeuillé. Et le Kohen Gadol, devant tout le monde, il s'assoit sur un petit banc, un safsal, c'était écrit. Vous, Yoshev, vous, Mesev, à la safsal, c'est ce qu'on avait vu dans la première Mishnah, d'avant-hier. D'accord? Il s'assoit sur un petit banc. Pour quelle raison? Tout le monde s'assoit par terre en disant, on t'aime tellement, notre Kohen Gadol, on te vénère tellement que ta douleur est notre douleur, on prend le deuil à ta place. Mais lui, il n'avait pas le droit de s'asseoir par terre devant tout le monde, parce qu'on doit le voir comme quelqu'un de plus haut et pas de familiarité et d'égalité avec lui. Alors, on voit avoir avec le roi le même principe. Urshem Avrinoto, lorsque l'on vient lui faire la Seudat Avraha, Kol ha'am mesubin al ha'aretz, tout le peuple s'assoit par terre, comme pour le Kohen Gadol, avec une différence cette fois-ci, Ve'u mesev al ha'dargesh, et lui, il s'assera sur un petit lit qui est quelque chose de plus que le safsal. Le safsal, c'est vraiment le petit banc. Et là, c'est un siège un petit peu plus confortable. C'est pour l'honneur du roi qui doit être encore plus que le Kohen Gadol. On a fini à présent la Mishnah. On fait le Bartenora. Et non yose mi petach pal terin shelo. Le roi n'a pas le droit de sortir de son palais. Shegnai ou la melech la rot ogmat nefesh lifnei ha'am. C'est quelque chose de rabaissant pour le roi de montrer devant tout le monde qu'il est en Ogmat Nefesh, qu'il a de l'amertume devant tout le monde. Les Fayes et Ta'am, c'est sur le même principe aujourd'hui qu'on a tout le monde qui débarque dans les Levayot avec les verres de soleil, genre on peut pas le voir qui pleure. Nous, chez nous, quand on pleure, eh ben c'est bien de montrer qu'on pleure, qu'on a de la peine, c'est là le kavod pour le maître. Il n'y a pas besoin de cacher les pleurs, au contraire, c'est l'honneur pour le maître que tout le monde pleure. En tout cas, les stars débarquent avec les lunettes de soleil. Et ben, ça vient de là que le roi lui-même ne doit pas montrer qu'il est en bassesse, il doit montrer qu'il est quelqu'un de vigoureux. Les Fayes et Ta'am. On parle de quoi avec les Fayes et Ta'am? Ah, on rapporte sur l'histoire de David Améler, qui avait voulu amadouer le peuple. Kedeshi Akiru, Shelo Batsat David Aragioav et Avner. Afin que tout le peuple comprenne que ce n'est pas par le conseil. Le fait que David a assommé Yoav de tuer Avner, qui se détache complètement de ça. Ven al Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.